Hey, salut, c'est Pasteur Timothée. Est-ce qu'aujourd'hui, tu vas prendre la décision de suivre Jésus? Est-ce qu'aujourd'hui, tu vas redonner ta vie à Dieu, ton Créateur, celui pour qui tu vis en ce moment et celui devant qui un jour tu vas comparaître? Dans le livre d'Amos, un prophète, il dit « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu » et ça commence aujourd'hui. On se prépare, non pas un Dieu vengeur, un Dieu qui punit, mais un Dieu d'amour. Mais un Dieu d'amour qui est juste. Et son plus beau cadeau qu'il a fait, c'est Jésus. Est-ce qu'aujourd'hui, tu veux le suivre? Est-ce qu'aujourd'hui, tu veux lui dire merci? Prie avec moi. Merci, Jésus, parce que tu as donné ta vie librement. Tu es mort, et d'une façon atroce, sur une croix. Mais tu l'as fait comme un sacrifice. Tu l'as fait pour que moi, que tu aimes, depuis toujours, tu m'as même créé. Ma mère m'a mise au monde, mais c'est de toi que vient la vie. Merci, Jésus, parce que tu as donné ta vie pour moi, pour que je puisse me présenter devant Dieu, qui est devenu mon Père, si je crois en toi. Tu m'offres la plus belle des familles, la famille spirituelle, qui descend de toi. Tu as été le premier-né, maintenant je fais partie des nouveaux-nés. Je te donne ma vie. Je veux que tu la prennes et que tu fasses d'elle, cette vie-là, ce que bon te semble. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, mais surtout dans ma vie. Merci pour ton sacrifice. Merci parce que je peux avoir la vie éternelle. Maintenant, je reviens à toi maintenant. Je me reconsacre à toi maintenant. Je te redonne ma vie à toi maintenant. Merci pour ce cadeau que tu me fais. Merci pour la chance que tu m'offres encore. Parce que je suis encore vivant, je peux encore prendre des bonnes décisions et aller vers toi, sauter dans tes bras, Seigneur, et être accueilli comme un ami, comme un frère, comme celui que tu chéris pour qui tu es mort, Seigneur. Et je veux le dire aux autres à quel point c'est le plus beau des cadeaux. Je te remercie, c'est en ton nom que je prie. Amen. Merci.